Le dictateur Denis Sassou Nguesso est en tournée dans les anciennes républiques soviétiques pour l'achat massif des armes de guerre pour préparer un passage en force de son fils, Christel Sassou Nguesso, né d'une union avec une femme étrangère. Une succession affirmée qui suscite d'ailleurs les inquiétudes et laisse place peu à peu à des divisions internes, à des divisions entre obédience maçonnique. Denis Sassou Nguesso, qui ne connaît que les rapports de force depuis son introduction dans l'arène politique congolaise et protégé par l'ancien pays colonisateur, la France, n'est pas prêt d'imaginer ce qu'il attend comme tout bon dictateur. Tous les signaux, ou presque, sont au rouge. Avant son récent voyage dans les anciens pays soviétiques, il s'était rendu en Turquie, où il avait acquis des drones d'attaque de type Bayraktar TB2. Selon les informations à notre disposition, le despote congolais était à Bakou pour des commandes d'armes, notamment des missiles anti-chars, des hélicoptères d'attaque de type Kamov K-50 et Kamov K-52, mais aussi des chars de guerre. Permettez-moi de ne pas vous dévoiler toute la liste de ces achats. Selon toujours notre informateur, certains des armes de guerre sont destinées au Rwanda et au groupe terroriste du M23 qui sème la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous suivons de près, avec la plus grande attention, les déplacements du despote congolais. Nous travaillons d'arrache-pied pour recueillir toutes les informations nécessaires. Nous vous informerons de la suite de ce qui se prépare en République du Congo. Il y aura des troubles dans un avenir proche et Denis Sassou Nguesso le sait. J'ouvre une parenthèse sur Edgar Nguesso. Ce neveu voleur du despote a acquis des propriétés de luxe à Dubaï, notamment dans le quartier de Times Square. Nous menons nos enquêtes approfondies à ce sujet. Je referme la parenthèse. Denis Sassou Nguesso devrait se rendre très prochainement au Rwanda pour une touche définitive des accords secrets de cession de terres au Rwandais de Paul Kagame, afin d'accélérer, je dis bien d'accélérer, l'expropriation dans la partie sud du Congo. Si nous ratons Denis Sassou Nguesso, je vous en conjure, Christel Sassou Nguesso, qui dit à qui veut l'entendre, sera le futur président du Congo. Nous ne le raterons pas. Qui vivra, verra. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon.